T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have... Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le quatrième épisode de mon Let's Play sur le jeu Stellaris saison 2. Je vous avais essayé la dernière fois en vous disant que j'allais tout simplement laisser tourner le jeu pour essayer de me refaire une santé, c'est chose faite. Il s'est passé cependant quelques petites choses durant la période de coupure en fait. En fait, il y a l'Empire qui était juste au nord de nous, le bleu là, il a annexé l'ex-Empire que j'essayais de défoncer. Mais genre annexé direct. Donc du coup, il est énorme, et ça me pose un petit problème. Mais ça, on va le voir en jeu. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça y est. En fait, Fevarian Regime a complètement annexé l'Empire qui était là. Voilà, donc du coup, ils sont assez grands, ce qui m'embête pas mal. Parce que nous, on n'est pas assez grands. Et en plus, on est bientôt limité par le nombre de systèmes. C'est pourquoi... Je vais faire quelque chose, que je suis allé chercher un petit peu sur le net pour le nombre de systèmes qu'on peut contrôler directement. En fait, on ne peut pas vraiment l'augmenter plus, il faut qu'on crée des secteurs. Et les secteurs, ça se fait comme ça. Donc en fait, on prend une capitale, et après on met des systèmes qui vont être sous contrôle direct de cette capitale. Donc en l'occurrence, comme j'ai réglé normalement la plupart des... La plupart des planètes, voilà, je les ai réglées à la main. Normalement, il devrait pas y avoir de problème. Alors, ce qu'on peut pas mettre, c'est la capitale planète, la capitale de l'Empire. On peut pas la mettre dans le lot. Par contre, on peut mettre des planètes à l'intérieur aussi, comme des planètes avec d'autres qui sont colonisées. Hein. Donc là, on est bien. On est bien, on va créer le secteur. Et donc voilà, du coup, on n'a plus qu'une seule planète, qu'un seul système contrôlé directement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va aller à Skildaria, Spatioport, et on va faire un vaisseau colonial. Vaisseau colonial qui va en fait nous... Wow. J'ai reçu beaucoup moins. On va en fait mettre un... Merde, comment ça s'appelle ? On va coloniser cette planète-là et on va s'occuper de cette partie-là, tout simplement. Alors par contre, du coup... Voilà, ça y est, on peut voir un petit peu comment ça fonctionne. Je sais pas encore comment ça fonctionne, cette merde. Priorité équilibrée, d'accord. Donc ça s'auto-gère, j'ai l'impression. Choix de priorité. Priorité équilibrée, priorité industrielle, priorité scientifique, priorité financière. Priorité équilibrée, c'est bien. Autorise la collection des systèmes, autorise la construction de robots, non. Pas d'esclavage, pas de purge. Bah nickel. Donc on peut... Je suppose qu'on doit pouvoir récupérer des minéraux, en fait ça doit pouvoir faire des stocks. Ouais c'est ça, en fait ça fait tout un nouveau secteur. Que je ne contrôle plus directement mais dont je peux me servir en fait pour faire une sorte de tampon, ça me permet d'éviter d'avoir à tout gérer en même temps. Ce qui est très pratique en fait. Donc, nous, il faut aussi qu'on s'arrange un petit peu. Donc, normalement, Fevarian Regime, on est plutôt copains avec eux. Alors, attendez, on vire les empires déchus, on vire les primitifs. Fevarian Regime, ouais, du coup, par contre, ils sont supérieurs par rapport à la nôtre. Mais on est plutôt copains. On va rester ça comme ça. La Jurine République, on n'est pas compain, mais en même temps, on peut facilement les écraser, c'est pas le problème. Ok, la Jurine République est en train de se faire bouffer. J'ai vraiment envie de les écraser. Si on les écrase, easy. J'ai envie de dire, c'est un petit peu easy. Vu ce qu'on a comme puissance de feu, sachant qu'on peut encore l'augmenter. Sans trop de problèmes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Ah!
des observateurs énigmatiques. C'est une, donc c'est des empires déchus. Fanatiquement xénophiles. Oh. Ok. Je sais pas où ils sont. Ils sont là-haut. D'accord. Empire déchu. Ok. Ok, ok. Bon. On est plutôt bien. On est plutôt bien. On va... Je sais pas trop comment en fait on va le gérer. Quoi, quoi, quoi. D'accord. Ok. Il vient de nous ouvrir les frontières. Alors comment on gère ça? D'accord, j'ai l'impression qu'il s'autogère. Donc il doit améliorer les planètes un petit peu comme il veut. On peut voir d'ailleurs comment il gère les planètes ou pas? Ouais, j'ai l'impression qu'on doit pouvoir voir. Ok, ok. Bon, voilà. Ça m'a l'air de bien fonctionner. Donc on est plutôt bien. Bon, maintenant que nous sommes plutôt bien, on va pouvoir faire des choses. J'ai lancé d'ailleurs une recherche qui pourrait être importante, qui est... elle est où? Voilà, spatioport niveau 6, ce qui nous permettra de faire le cuirassé. Donc je sais pas encore combien il y a de recherches concernant le spatioport, mais on va avoir une de ces flottes militaires, je vous dis pas. Ça va être complètement stupide. Tellement on va être puissant. Je vais... par ailleurs, faire un... Un ou deux Crusader, un ou deux Athéna, je pense qu'on a la place. Ouais, 54, c'est pile ce qu'il faut. On va utiliser cette First Starfleet. First Starfleet, on va le dire sans l'accent parce que sinon c'est ridicule. On va, je pense, tout simplement défoncer. Défoncer cet empire. On déclare la guerre, on les défonce et voilà, on n'en parle plus. J'ai envie de dire, on va faire ça, mais une fois qu'on aura tout récupéré, enfin, on aura une bonne armée de prêtres, avec genre 3000, ça sera bien. Où est... Vaisseau civil, voilà, vaisseau colonial. On va aller coloniser ici. On va coloniser cette planète. Ugh! 770, bon bah tant pis, hein, mais... Waouh. Alors le tout, faudrait le mettre au bon endroit. Putain, c'est pas pratique, en plus y a pas la place. Ah, c'est dommage. Y a pas une meilleure planète? Ah, semble pas, hein. Celle-là, elle est à 50, même si elle a plus de... Ok. J'avais un projet à faire que je n'ai jamais fait. Indépendance garantie. Consortium et commandes. Ok, d'accord. Donc là, ça, ils se protègent. Donc on va pas trop faire les cons. Mais moi, j'aimerais bien les éliminer, eux. Ouais, mais ça m'emmerde de pas avoir accès à cette planète, par exemple. Celle-là, pour le coup, elle serait géniale, mais elle est à l'intérieur de leurs frontières. Fait chier. Je crois que je vais pas avoir le choix. Hein. Je ne vais pas avoir le choix. Parce que de toute façon... C'est ça ou rien. Allez, c'est parti. Une colonisation. Donc du coup, je vais envoyer d'ailleurs les vaisseaux ici. Les vaisseaux de construction. Et du coup, ce côté-là, ça va être vraiment notre tête de pont pour la deuxième partie de l'Empire. Donc il faudra se méfier. Il faudra bien la protéger. Il faudra bien la protéger. On va faire un spatioport qu'on va améliorer de niveau en niveau de manière à pouvoir avoir un bon truc. Ouais, on va faire ça bien. Il le faut de toute façon. Il faut qu'on fasse ça bien. Et je vais accélérer un peu le temps parce que de toute façon, on n'a pas grand chose à faire. Alors, plusieurs infos. J'ai reçu des communications de la part d'Empire qui sont super loin dans la galaxie, je comprends pas trop. J'ai un vaisseau de scientifique qui s'est fait attaquer quelque part par là, je crois.
Non, c'est pas lui. Il est où? Celui-là, il s'est paumé, je crois que... Oui, il était là. Il était là, il s'est paumé. Voilà. Sinon, ma Starfleet, elle est prête. Je vais aller décaler en face de cet empire. Et puis voilà, on va les exploser. Donc ouais, en fait, ils sont fait attaquer par des créatures qui étaient dans cette zone-là. Elles se sont fait vite défoncer, du coup, voilà, elles sont vite barrées. Bon, j'ai envie d'attaquer un petit peu, là, tout ça. Ah, c'est cool, d'accord, un versement mensuel. Ok, je vais mettre un versement mensuel quasiment maximum, ça ira bien. Ok, donc, soyons bien. Voilà, ça y est, ça vient de construire, je vais... Non, pas le vaisseau scientifique. Ensuite, une fois que t'as fait ça, tu construis ça à ton de recherche. Toi, tu vas directement te décaler ici, en attendant que les frontières se développent. Et nous, on va aller déclarer la guerre à la Jurine République. Communiquer. Déclarer la guerre. On peut rien faire là? C'est tout ce qu'on peut faire. Moi, je voudrais les annexer en fait. Putain, mais pourquoi moi je peux pas le faire? Ah! En fait, j'ai vraiment, vraiment pris une espèce de merde pour les guerres. C'est que j'ai pas la possibilité de... Bon, bah, attendez, on va virer ça, du coup. J'ai pas la possibilité d'utiliser les vassalisations, le céder la planète. Ou alors, peut-être que j'ai la possibilité, mais il faut que je change au niveau des décrets. Ça serait quand même ballot que j'ai pas du tout la possibilité de faire quoi que ce soit. Alors, comment je règle ça? Ça, c'est la question. Non, c'est pas les personnalités... Où sont les décrets? Merde. Pff, trop de trucs dans ce jeu. Ah, politique et décrets. Voilà, ça y est. Esclavage prohibé, philosophie de la guerre. Ouah. Non. Bombardement létal léger, interférence avec les natifs. C'est où? Moi, je voudrais pouvoir. Ah la vache, c'est un choix cornélien, parce que là pour le coup je peux changer la politique de la philosophie sur la guerre pour passer en politique en mode free, FFA, free for all, mais en même temps cette politique, déjà elle me bloque pour 10 ans, donc si j'ai un problème je suis dans la merde, et elle me fait moins 10% de bonheur à 49 pop et moins 15% de bonheur à 2 pop. Ouah, c'est badass, c'est gros quoi. Bon, j'ai envie de dire, hein, on est là pour jouer. On va passer en guerre sans restriction. Et on va déclarer la guerre à la Jurine République. Et là, normalement, ça devrait passer. Je crois. J'espère. Si ça fonctionne pas, on est dans la merde. Concorde vertueuse. Je peux pas le faire. Ah si, quand même. Bon. C'est y part.
Seul négatif, tu m'étonnes. Je pense que j'ai la moitié de la galaxie qui me veut. Ouais, c'est ça. Bonheur ridicule. Sur la 35% de bonheur, c'est pas énorme. On va, du coup. Putain, j'aurais pas dû le faire maintenant, le con, le con, le con, le con, le con. Oula, truc qui tombe chez moi, j'aurais pas dû le faire maintenant. Ah, je suis bête. Parce que là, du coup. Oh. Il y avait qu'une station trou de ver là-dedans. Toc, on va réprimer la faction au cas où. Bon, allez. C'est parti, normalement. On a largement assez. Je vais passer en vitesse normale. On va éviter les conneries. Donc ils ont à peu près autant, voire légèrement. Non, mais là, ils ont largement moins. Ils ont largement moins, mais nous on va le faire rapidement. Ça va chier des hannetons. Et oui, c'est possible de chier des hannetons, mais il faut vraiment être très malade. Boum! D'accord, ils utilisent des lasers. Ok, donc là j'ai un nouvel empire qui veut communiquer avec moi. C'était pas le moment, mais c'est pas grave. Alors attendez. Où en est la guerre? On repassera en politique normale après, bien sûr. Hein. Mais pour l'instant. Ok, ils ont plus de. Oh la vache, ils se font rouler dessus. Il reste plus que le spatioport. On bourrine. J'ai eu des pertes ou pas? J'ai eu zéro perte. Pour l'instant, j'ai eu zéro perte, qui est quand même foufou. Il essaie désespérément de faire des. Attendez, quoi, qu'est-ce qui se passe? Un pack de non-agression avec eux, ok. Alors, augmentation de la personnalité. Donc là, on est à 27%, ce qui est cool. On va bombarder gentiment. 65%. J'ai envie de dire, si on veut le truc, on l'aura. Ils essaient désespérément de faire des trucs, ils n'y arriveront pas. Alors attendez, oula 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 oula, il y a plein de trucs qui viennent d'arriver. Alors, nouvelle technologie, déjà, on va commencer par ça. Poussière, ça c'est nouvelles ressources, laboratoire, terraformation. Oh, terraformation, ça c'est cool. Ça va être super long, mais ça va être cool. Mission de la flotte a été fondée. Donc là, on a une nouvelle planète. Là, on est bien. Ici. On finit. Voilà, on va bombarder gentiment. Donc là, 76%, j'ai envie de dire. Exigeant des ennemis, ils essayent de. Bon, bah, allons-y, hein. Et voilà! Non? Non, c'était pas ça que je voulais faire? J'ai comme l'impression d'avoir raté un truc là. Pourquoi ça leur appartient encore à eux? Mais j'ai chié dans la colle ou quoi? J'ai dû cliquer au mauvais endroit, je suis sûr. Je suis sûr que j'ai chié en faisant un truc qu'il fallait pas. Pourquoi c'est contrôlé et possédé? J'aurais dû l'avoir. Oh, j'ai dû me chier quelque part. Eh merde. Tant pis. Alors attendez, parce que du coup. Du coup, il y a là. Non, mais non. Toi,
tu vas me faire les stations minières, les stations de recherche. Ok, ici, bah, il faut juste qu'ils se développent. Développez-vous, déjà, commencez par ça. Ensuite, on verra plus tard. Bon, ça m'énerve. Ça m'énerve quelque peu. Vaisseau scientifique, qu'est-ce que tu fous là, toi? Avec taille ici, ça va être super long de taille ici, d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas pratique, là, on est obligé de faire le tour. Notre mode de déplacement est pas forcément le plus pratique du monde. Alors pourquoi j'ai pas... Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû cliquer au mauvais endroit. Tant pis. Et le pire, c'est que j'ai perdu des unités ou quoi? Ah, peut-être. Ah, j'ai perdu tous mes... Je crois que j'ai plus que... Ouais, c'est ça, j'ai perdu tout ceux du niveau 2. C'est ballot. Bah, ça m'a merde. Je sais pas ce qui s'est passé, hein. Je pense que j'ai chié à un moment, je sais pas où, mais j'ai chié à un moment. Donc la philosophie de la guerre est pas folle, mais au moins il y a tout le monde qui travaille, donc c'est plutôt bien. Ok. Encore des gens qui nous contactent. On commence à avoir tous les empires de la galaxie, ça va être compliqué. Ça va être particulièrement compliqué. Alors, fais cette construction, tu vas aller là. Tu vas me faire une station minière et une station de recherche. Voilà, donc là on est bien. On commence à avoir des sacrés trucs pour les recherches. Ça avance même particulièrement bien. Oula, j'ai complètement oublié qu'il n'y avait pas ça. Accélérateur de plasma, disrupteur ou vitesse de développement des colonies. Ouais non, disrupteur c'est pas mal. Bon, c'est soit ça, soit le truc de plasma. Bon, et là la question c'est qu'est-ce que je fais? Il se développe ici aussi, ça commence à être un bordel. Je suis en retard, je suis clairement en retard. Aïe aïe aïe. Je suis clairement en retard par rapport à tout le monde. Bon. Alors là, j'ai fait tourner un peu le jeu et je suis un peu face à un problème cornélien. Les Sélémi Progenitors, donc qui sont les ascendances figées, donc c'est des empires déchus, ils nous demandent de faire parvenir un échantillon de notre population à des fins de sauvegarde. Le truc, c'est que ça fait un modificateur de bonheur de moins 5% sur l'ensemble de mes planètes pendant 120 mois, donc longtemps. Et en même temps, si je fais le contraire, bah, elle va pas être contente. J'ai envie de dire, elle va pas être contente, c'est tant pis. Parce que je peux pas vraiment me permettre un modificateur aussi important, vu déjà la gueule de mon bonheur actuel. C'est clairement la merde. Ouais. C'est pas foufou. C'est pas foufou. Là, pour le coup, en fait, je suis un petit peu embêté. Je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire, à part améliorer un petit peu tout ça. J'ai amélioré le spatioport ici. Il vient d'arriver au niveau 6. Quoi. Construction cristalline, ok. Il y a plein de trucs. Donc voilà, ça y est, maintenant j'ai les... il y a plein de trucs. Maintenant j'ai les cuirassés, donc vraiment le level au-dessus. Je fais du 55,15 dégâts par tick, ce qui est quand même beaucoup. Et ça me coûte énormément en cailloux, en ressources minières. Hostile fleet. Ok, ici il y a des hostile fleet. Ok, ici... Je vais développer un petit peu, je vais mettre une nouvelle planète ici, je vais m'installer ici aussi. Je vais faire ensuite un nouveau secteur ici, bien évidemment, avec autorisation d'expansion, et puis ça peut être pas mal. Que faire d'autre? Que faire d'autre? Que faire d'autre? Grande question.
Parce que là, pour le coup, je suis en train de construire un spatioport ici aussi. Ouais. Là, en fait, je suis un petit peu perplexe, un petit peu bloqué. Je ne sais point trop quoi faire. Je vais attendre qu'il y ait du mouvement. Je vais continuer à me développer, mais en attendant qu'il y ait du mouvement, je vais simplement laisser tourner le jeu. Et je pense que je reprendrai dès que il y a quelque chose de notable qui va apparaître, quelque chose qui fera qu'il y aura quelque chose à faire, quoi. Quant à toi, le vaisseau scientifique, bon. Ah, attendez. Je reçois une lettre de guerre. C'est peut-être pas pour moi, hein, mais c'est possible. Command OS de Gavaskult. Ok, donc ici, ils vont déclarer la guerre à la Jérémie République. Ils vont se faire annexer. C'est sûr et certain. L'annexion est proche. Et moi, je suis encore plus dans la merde. Bon. Ça me paraît complexe parce qu'en termes de puissance, Commonwealth of Gavaskull, je pense qu'ils sont au-dessus de nous. Ils sont où? Ouais, c'est ça, supérieur. La puissance de sa flotte est supérieure. Bon, sa capacité navale est équivalente, mais sa puissance de la flotte est supérieure. C'est pour ça qu'il faut clairement que nous, on améliore un petit peu tout ça. Encore des empires. Alors, les recherches en physique, propulsion par distorsion ou capacité de stockage d'énergie plus 500 et réacteur à fusion froide. C'est pas chaud tout ça. Oh oh oh. Donc là, il a fini de rechercher ici. Je sais pas trop comment servir les prochains vaisseaux scientifiques parce que de toute façon, ils font que rechercher partout. C'est vrai que là, j'ai pas trop recherché. Je vais peut-être le faire, tiens. J'ai envoyé mes vaisseaux scientifiques ici. Et rechercher un petit peu de tout, un peu partout dans le système, ça peut être pas mal. Voilà, je pense qu'il a largement de quoi faire. Et puis en attendant, moi je vais tout simplement laisser tourner le jeu, parce que là actuellement je n'ai évidemment pas grand chose à faire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.